la lave de son épée. La réputée est aussi haut en couleur que sa Méditerranée natale. Et avec ses exploits, mon peuple, il y a dans lui le goût des fureurs de la guerre. Alors, mon peuple de Carcassonne, nous avons mis mon choix aujourd'hui d'accueillir en ses lices les derniers cavaliers dans 13 ligues. On lui reproche pas trop grande capacité et son manque de soutien pour ses ennemis. Mais il a reçu de nombreuses blessures lors de ce combat. Ce loup ardent des forêts germaniques ne vit que pour la victoire. Il a reçu en retour de nombreuses possessions qui font de lui un homme puissant, redoutable et de grande fortune. Alors, mon peuple, voici venir à nous, messire Otto von Kerpen. Et de mettre à genoux tous ses ennemis. Sa parole, mes bons amis, sa parole ne peut ni ne doit être mise en doute. Alors, mon peuple, admirons et saluons ce magnifico cavaliero Don Juan de Navarre. Simon de Montfort, redoutable guerrier et chef incontesté. Il éprouve avec ardiesse la grande épée de son ennemi pour la prendre sa hache. Il est découvert plus adonnant, il est de tous les combats, de toutes les guerres. Le sombre caractère, il parle feu. Alors, il agit. Mais oui, alors prendez, chevalier, car il va vous roncer. Il va vous laminer. Vous vous attraper. Vous vous mais oui, car c'est le terrible. Enfin, que dit le terrible. Le cauchemardesque chevalier qui de force, mais sur Bouchard. Thank you.
différence du bon peuple. À notre Diallo. À roi, c'est la balle. Vous voyez,